Allez enseigner toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve. Allons devant lui en action de grâce. Au son des musiques, acclamons-le. C'est un Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par-dessus tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. Allez enseigner toutes les nations, proclamez. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite. La terre ferme, ses mains l'ont façonnée. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous à genoux devant le Dieu qui nous a fait. Allez enseigner toutes les nations. Proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Allez enseigner toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Comme le Père m'a envoyé.
Psaume 2. Psaume 138. Je me couche, tu le sens. Mes voix te
familière. La parole n'est pas encore sur ma langue. Et voici la sève entière. Derrière et devant, tu m'insères. Tu as mis sur moi ta main. Prodige sa voix qui me dépasse. Hauteur où je ne puis atteindre. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si j'escalade les cieux, tu es là. Aux enfers, je me couche, te voici. Je prends les ailes de l'aurore. Je me loge au plus loin de la mer. Même là, ta main m'a conduit. Là, ta droite me saisit. Je dirais que me couvre la ténèbre. Que la lumière sur moi se fasse nuit. Mais la ténèbre n'est point ténèbre devant toi. Et la nuit comme le jour illumine. C'est toi qui m'as formé les reins. Qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te rends grâce pour ton mystère. Prodige que je suis et que tes œuvres. Déjà tu connaissais mon âme. Et mes os n'étaient point cachés de toi. Quand je fus façonné dans le secret. Brodé au profond de la terre. Mes actions, tes yeux les voyaient. Toutes elles étaient sur ton livre. Mes jours inscrits étaient finis. Avant que pas un d'eux n'apparût. Que tes pensées, Dieu, sont difficiles. Incalculable en est la somme. Je les compte, j'en ai plus que sable. Et je finis, je te retrouve encore. Si tu voulais, oh Dieu, tu es l'impie. Âme de sang, allez-vous-en loin de moi. Il parle de toi sournoisement. Ils tiennent pour rien tes pensées. Je pas en haine, Seigneur, qui te hait. En dégoût, ceux qui se dressent contre toi. Je hais une haine parfaite. Ce sont pour moi les ennemis. Sont de moi, oh Dieu, connais mon cœur. Scrute-moi, connais mon souci. Oh, que mon chemin ne soit fatal. Et conduis-moi sur le chemin d'éternité. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, amen. Le Christ a ressuscité. Par sa mort, il a vaincu la mort. Ô mort, il a donné la vie. Cantique d'Isaïe, page 273. Ce jour-là, tu diras, je te rends grâce, Seigneur, tu m'avais prise en aversion. Ta colère se calme et tu me consoles. Voici le Dieu de mon salut, j'ai confiance. Plus de crainte pour moi. Car le Seigneur est ma force et mon chant. Je lui dois le salut. Livre de joie, vous puiserez les eaux. Ô source du salut. Ce jour-là, vous direz. Rendez grâce au Seigneur, criez son nom.
annoncé parmi les peuples ses hauts faits. Elle a appelé que sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur, car il a fait la merveille, connu de toute la terre. Jubilé, crié de joie, habitant le Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Psaume 134. Dans l'allégresse, chantons le Christ ressuscité. Alléluia, alléluia. Dans l'allégresse, chantons le Christ ressuscité. Dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez le Seigneur, car il est bon, jouez pour son nom, il est aimable. C'est Jacob que le Seigneur s'est choisi, Israël dont il fit son apanage. Moi je sais qu'il est grand le Seigneur, que notre Maître surpasse tous les dieux. Tout ce qui plaît au Seigneur, il le fait, au ciel, sur terre, au fond des mers. Faisant monter du bout de la terre les nuages, il produit avec les éclairs la pluie. Il tire le vent de ses trésors, tout ce qui plaît au Seigneur, il le fait. Premier-né de l'Égypte, depuis l'homme jusqu'au bétail. Il envoya signes et prodiges sur Pharaon et tous ses serviteurs. Il frappa les bailleurs en grand nombre, fit périr des rois valeureux. Et il donna leur terre en héritage, en héritage à Israël, son peuple. Seigneur, ton nom à jamais, Seigneur, ton souvenir de jour à jour. Le Seigneur a prononcé pour son peuple, il prend en pitié ses serviteurs. Les hommes, les païens, or et argent, une œuvre faite de main d'homme. Elles ont une bouche et ne parlent pas, elles ont les yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent point, et pas le moindre souffle dans leur bouche. Comme elles seront ceux qui les firent, quiconque met en elles sa foi. Maison d'Israël, bénissez le Seigneur. Maison d'Aaron, bénissez le Seigneur. Maison de Lévi, bénissez le Seigneur. Les craignants Dieu, bénissez le Seigneur. Béni soit le Seigneur depuis Sion, lui qui habite à Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, amen. Dans l'allégresse, chantons le Christ ressuscité. Alléluia, alléluia. De Madeleine Delbrel. Parce que nous ne sommes pas du monde. Le nom de Jésus-Christ, inscrit sur nous,
doit un jour, de gré ou de force, devenir publiquement notre nom. Ce nom du Fils de l'homme et du Fils de Dieu est le signal de l'extrême tension que nous allons subir de l'extérieur. Tout ce que ce nom dit du Fils de l'homme nous fait accueillir par les hommes de plus en plus comme des frères. Tout ce que ce nom dit du Fils de Dieu nous fait rejeter, toujours comme des étrangers, souvent comme des ennemis. Parce que nous ne sommes pas du monde, le monde nous hait. Il nous méprise, comme en partie inexistant, comme quelque chose de mort. Nous espérons alors que l'Église brisera cette solitude que les hommes nous imposent. Mais nous oublions que par nature, l'Église est étrangère au monde. Dans la mesure où elle devient apparemment concitoyenne des hommes, la pression du monde et l'Esprit de Dieu l'entraînent à passer de nouvelles frontières, à affronter de nouveaux exodes, à poursuivre sa terre promise. Les promesses faites par Jésus aux extrémités de la terre. Cela, elle ne le vit pas en l'air. Il lui faut notre chair, notre sang, notre cœur. Il lui faut sans cesse quelques-uns de ses enfants pour le vivre. Et ceux que l'Esprit pousse et envoie s'éloignent de tout ce qui signifie en elle la cité de Dieu, de tout ce qui préfigure l'éternité. Leurs frères ne les reconnaissent plus bien, ne les distinguent qu'avec peine. Qui peut prendre pour frère un bourgeon ou un sarment? Leur unité, ils ne la reconnaissent plus que par la foi. Nous sommes faits solitaires par la vie même que nous recevons d'une communauté de plus en plus présente, mais enfouie dans le mystère de la foi. La tension de tout engagement chrétien ne se résout que dans la croix. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde, voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi.
Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham de nous donner qu'affranchi de la crainte et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté devant sa face tout au long de nos Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour de sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs pour les siècles des siècles. Amen. Immortel. Alléluia.
en ton Fils qui nous a appelés, qui nous a pris dans le monde pour nous conduire à toi. Dieu notre Père, nous te bénissons. Dieu qui donne la vie éternelle aux hommes en le faisant renaître par le baptême, nous te prions. Dans le Christ, tu nous as justifiés et rendus capables d'une existence immortelle. Conduis-nous désormais par ta grâce jusqu'à la gloire qu'il possède en plénitude. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous